Matthieu, le chapitre 18, les versets 1 à 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Souvent on entend cette question. Qui est le plus grand? Ton frère ou ta sœur? Qui est le plus grand? Ton papa ou ta maman? Lorsque les disciples posent la question à Jésus, celui-ci donne une réponse qui étonne. Il répond, celui qui est le plus grand, il est comme un enfant. Faisons un voyage dans le temps. Nous allons remonter au temps de la création. Axel va nous donner un coup de main en faisant trois dessins. Vous allez suivre ces dessins au fur et à mesure. Donc, dans Genèse, le chapitre 2, les versets 8 et 9. Dans Genèse, chapitre 2, verset 8, Dieu plante un jardin. Il fait pousser des arbres de toute espèce, dont deux différents des autres. Et vous allez comprendre pourquoi. Le premier, qu'il va placer au milieu, l'arbre de la vie. Le deuxième, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donne un ordre. Il ne faut pas manger du fruit du deuxième. Il donne la mort. Mais Adam et Ève désobéissent. Ils mangent du fruit du deuxième et perdent l'accès au premier. C'est ainsi que la mort est entrée dans le monde. Revenons à la réponse de Jésus. Première partie de la réponse de Jésus à ses disciples, Jésus appelle un enfant. À travers l'histoire du monde, Jésus appelle. Il appelle Adam et Ève. Nos premiers parents étaient cachés quand Dieu les appelle. Et quand Dieu les appelle, ils n'obéissent pas, ils ont peur. Découvrons maintenant le deuxième dessin avec Axel et comprenons ceci. Jésus appelle un enfant et le place au milieu des disciples qui, eux, voulaient savoir qui était le plus grand. Pour illustrer son point, Jésus pousse les disciples à baisser le regard et contempler un petit enfant qui, selon les convenances, n'était pas suffisamment grand pour être là. Dieu appelle les enfants, Dieu appelle le petit Samuel. Dans un premier temps, celui-ci répond « Me voici !» Et puis Samuel va dire « Parle quand ton serviteur écoute. » Ce qui nous amène à retenir un point très essentiel. Quand Jésus appelle l'enfant, l'enfant obéit. Jésus va d'ailleurs mettre ce principe dans la prière modèle qu'il va enseigner aux disciples. Dans Matthieu, le chapitre 6, verset 10, Jésus enseigne la prière modèle. Que ta volonté soit faite. Pour que cela soit possible, il faut que celui qui écoute passe à l'action. D'ailleurs, ce que Jésus enseigne à propos de la prière, il le met en pratique lui-même. Pas seulement dans des moments où tout est facile, mais dans un moment très difficile de sa vie, le moment où on va le mettre à mort. Jésus va dire, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je sais que Jésus prie pour nous. Il aime les enfants, il prie pour les enfants en ce moment même. Je sais aussi que Jésus nous appelle. Il appelle ses enfants, il nous appelle en ce moment même. Je sais aussi que tu peux entendre sa voix. Quand tu entends qu'il frappe à la porte, sois obéissant et ouvre la porte de ton cœur. Rappelle-toi, vraiment grandir, ce n'est pas une question de centimètres, mais entendre, répondre et obéir à la voix de Jésus.